façon. Je viens juste d'arriver à l'étang, les gars. Et premier poisson. Ça fait 5 minutes que je suis là. Et c'est quoi, brochet? Ah, je crois que c'est un broc. Yes. Allez. Ah, voilà. Alors, c'est génial. Je viens juste d'arriver. J'avais un leurre souple, pendant 5 minutes pas de touche, je mets ce petit FZ et bam. Allez, on verra ça après. Oh là là. Allez, on fait celui-là. Je vais rester accroché. Ça se calme. Allez, va, file. Voilà. Vous n'avez pas envie que je mesure. Allez, je vais faire un bon 65. Allez, une perche. Alors c'est bien beau de prendre des perches, mais j'aimerais bien en prendre des plus grosses là. Là je reste aux alentours de 20 cm. Ah, j'ai une tape. Poisson. Oh, c'est petit. Ah, c'était le fond. C'était le fond là, j'ai failli faire un arrêt cardiaque parce que ça, ma ligne elle s'est bloquée net. Fichon. Oh, petit broc. Regardez-moi ce petit gourmand là. Reste calme.
Voilà. Eh oui. Eh, ils ont aussi le droit de manger ceux-là. Allez, file. Va grandir, va. Bon, on a quand même un vent correct là. Il est en train de me pousser là, grave. Poisson, poisson. Ah yes. Allez. Une petite perche de 20. Allez, 23. Toute petite perche. Allez, hop, on va là-dedans. On va essayer d'attraper tes copines, tes cousines, tes tantes, tes oncles, ta grand-mère. Bon, ça fait 2 heures que je suis sur l'eau. Depuis les quelques premières perches, j'ai plus rien fait du tout. Et là, je suis revenu à mon point d'origine et ça y est, je refais des perches. Enfin, j'en refais. J'ai des belles tapes là. Mais c'est pas franc. Ah, j'ai fait un bon tour là, je suis crevé, j'ai les jambes explosées. Poisson. Allez, là, je suis au leurre souple par contre. Jusqu'à présent, j'ai tout sorti au crank. Et là, j'ai changé, je suis passé au petit leurre souple. C'est un FZ, je sais plus le nom, avec une petite virgule derrière. Poisson. Ah mais c'est toujours le même gabarit, il n'y a pas. Et si j'essaie de changer un peu, prendre ah oh, bah ça, elle a gobé ma queue. Ah. Putain, elle m'a tué mon leurre. Dégoûté. Bon, allez. Donc là j'ai plus le choix. Elle m'a cassé la. Ah bah tiens, je vais quand même essayer, juste pour le fun. Je vais essayer de lancer sans la queue et on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Poisson. Ah, effectivement, même sans queue, ça tape. Ah, ça c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu plus beau ça. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ah bah on va continuer. Hein. Allez, on va continuer avec le même leurre. Poisson. Poisson. Ouh.
Une belle boîte celle-là. Poisson, baby, poisson, bébé. Perche, encore perche. Je vais changer de leurre, je vais grimper en taille. Je vais monter en taille et on va voir ce que ça va donner. Parce que là, je fais que de la petite. Et j'aimerais quand même en prendre de la peu plus grosse. Poisson. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est joli. Reste là, reste là, reste là. Ouais, yes. Poisson. Bon, aujourd'hui c'est la journée du crank. La dernière fois c'était journée leurre souple et aujourd'hui c'est crank. Ah, elle a lâché une... Ah non, elle est dessus. Elle est dessus. Les soirées comme ça, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête. Poisson. Ah, ça y est. Ah yes! Allez, au squeletton! Au squeletton! Ouais, yes! Voilà, c'est ça ce qu'on veut! C'est ça ce qu'on veut, les gars! C'est de la belle perche! Ok, il est temps pour moi de rentrer là, il se fait tard, la nuit commence à tomber. Donc, petit résumé de cette journée, de cet après-midi donc. Alors, un beau bocher de 65 cm. Et pas mal de perches, je les ai pas comptées, la plus grande faisait à peu près 30 cm. Donc je vais aller les remettre à l'eau là dès que j'arrive au bord, je vais les compter en même temps. Et puis moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine, ciao ciao.